Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Dorf Romantique. On avait réussi deux des trois objectifs et on avait un score qui était plutôt pas mal. Donc on va essayer de tout simplement faire mieux et continuer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de tuiles à poser. Donc voici où on en est. Le troisième objectif qui nous manque, c'est juste un objectif de posage de tuiles. Donc il nous manque encore un peu plus de 250 tuiles à poser, sachant que on en a que 59 dans la pioche, donc c'est pas dit qu'on y arrive sur cette partie-là, même si on a moyen de regagner des tuiles. On verra si on y arrive. En tout cas, on a réussi pour des puzzles 2. On a placé 58 tuiles consécutives sans raccorder aucune bordure incompatible. Et on a formé un groupe de champs contenant au moins 50 champs en faisant le fermier 2. On va essayer de faire les quelques quêtes qu'on a en cours, c'est-à-dire une ici avec de la forêt, une ici avec une étendue d'eau et deux ici avec des maisons. Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer. Je vais y arriver. Si je décale mes doigts sur le clavier, je peux pas vous montrer. Les tuiles de cerf, typiquement, eh bien, les cerfs se baladent. C'est assez agréable quand on regarde. Et le cerf a disparu dans la forêt. On retrouve un cerf ici. Et ainsi de suite. Ici, on a une petite maison avec une cheminée. Et on voit l'eau de la fontaine. C'est assez sympathique. On va essayer de finir notre ville. Donc on a 9 et 14 maisons qui nous manquent. On en rajoute 3. Oui, je les mets comme ça, ça me va. Alors, on a dit qu'on allait essayer de pas trop se coincer par ici avec notre train. Typiquement, pas en faisant ce genre de choses, qui pourrait nous coincer. Pour notre eau, sachant qu'on n'a aucun objectif avec du train, on pourrait tout simplement essayer de relier ce segment là avec ces deux là. Alors, on pioche un objectif d'eau à 16+. Ça voudrait dire potentiellement jouer sur deux fronts en même temps, ce qui est pas impossible. Hein. Là, ça fait 6 tuiles à poser. 6 plus 3, 9. Alors que si je me cale ici, j'en ai 11. Donc, c'est a priori plus valable de jouer sur deux fronts. Essayer de finir cet objectif là et d'essayer de se raccorder, sachant que on va être un peu coincé sur cet emplacement là à minima, où il nous faudra également une gare navale. Donc je partirai quand même plus sur agrandir, peut-être pas ici puisque je me laisse une opportunité au cas où on ait du train ou quelque chose un peu plus complexe à caler. Est-ce que je peux caler mon eau ici? Ça me plairait bien de caler mon eau ici. Là aussi, enfin, les deux sont arrangeants. Plutôt là pour pouvoir finir ici. Faire une jointure. Faire quelque chose de cohérent. Donc on a un objectif avec du champ, un petit objectif à 14. Donc bien évidemment, on ne peut pas le mettre sur notre giga champ à 50. Par contre, on avait commencé à prendre un peu de place par ici. Donc on peut venir par là et s'agrandir.
Un objectif A33 en ville, est-ce qu'on pourrait pas le caler avec nos restes villes? Eh bien, malheureusement, non, ça ne passe pas. Donc, je pourrais caler en disant bah, ça valide l'autre quête et tant pis pour celle-ci. On va regarder ce qu'on a comme possibilité. Eh bien, tout simplement, j'ai pas fait d'autres villes. Donc, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on fait. On a l'air d'avoir quelques maisons quand même pour la suite. Et on est quand même pas mal pourvu. Donc je me calerai bien par là où j'ai déjà calé deux maisons. On devrait pouvoir s'agrandir. On va tout de même essayer de valider le plus vite possible cet objectif là. Alors j'aime assez comme ça parce que ça me fait pas d'incohérence et ça me ferme un peu. Mais du coup je perds 3 maisons. Ce qui est pas forcément top. Je vais plutôt me caler comme ça en espérant pouvoir joindre entre les deux. Donc du train, on n'a aucun objectif de train. Est-ce que je pourrais pas caler à un endroit qui m'arrange par ici? Eh bien, oui, je peux. 5 maisons. À 5 maisons, ça me ferait bien avancer ici. Là, c'est pas mal. Il ne manquerait plus que 3 maisons. Donc, on devrait pouvoir s'en sortir. Ici, on continue à agrandir autant que possible notre forêt. Et ici, j'ai 4 maisons, donc 4 maisons, je dois pouvoir faire ce genre de choses. J'aimerais, vu qu'on a un objectif pour la fermer, j'aimerais pas non plus l'agrandir de trop. Je vais peut-être mettre mes maisons plutôt par là, sur mon objectif à 31. On a pas mal de maisons là, pas mal de maisons à la suite en plus. Un moulin à eau, je crois que c'est le premier de la partie. On a le droit. Donc, j'ai deux objectifs avec de l'eau, et bien évidemment, aucun des deux n'est proche des villes que j'aimerais compléter. Et en plus, il nous donne un objectif de 11. Donc à la limite, on va se mettre là. Tout simplement parce que 4 et 4, eh ben, ça fait 4. 4 et 4 plus précisément. Ici, je pourrais me caler comme ça. Sauf que ça me bloque en fait, puisque je vais avoir ici et là comme tuile un peu chelou. Donc on va retourner par ici. Ici c'est un bon placement aussi, mais permet pas de valider nos objectifs. Donc je vais plutôt faire ça comme ça, comme ça. Si je fais comme ça, je peux trouver une petite comme ça. Ouais, ce sera peut-être plus intéressant comme ça. On a du train maintenant. J'ai toujours aucun objectif avec du train. Commence à manquer un peu sur cette partie, on va pas se le cacher. Je pourrais essayer de compléter, mais j'aimerais bien pas me fermer de possibilités pour l'instant là-dessus. Je pourrais faire ça. J'ai une incohérence, mais j'aurais peut-être une chance de pouvoir fermer ici. Et du coup, bah, plus ou moins la même chose de l'autre côté. Donc, on a un objectif à 641 d'arbres. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à être difficile de ne pas faire d'incohérence. J'ai 7 maisons ici, 7 maisons, on se pose pas la question. On a grandi ici, où on a besoin de maisons. Du train.
du train, encore du train, je n'avais pas besoin de train, et pourtant le jeu me donne du train. Qu'est-ce que je peux faire avec mon train? Est-ce que je peux faire des choses ici pour fermer, pour compléter, pour essayer de me coincer le moins possible? Je crois pas avoir d'autres endroits. Hein. J'ai ici, là. De toute façon, là, je suis plus ou moins coincé. Hein. On va essayer de mettre de l'eau pour compenser, hein, mais on est pas dans la joie. Je peux mettre du train là, ouais, c'est pas fichu. C'est pas fichu tout ça. On verra ce qu'on trouve. On verra ce qu'on trouve. Alors, une maison. Ça pourrait valoir de la mettre là. Avec plein d'arbres. Ça pourrait valoir de la mettre par ici. Est-ce qu'on peut mettre notre maison en essayant d'arriver avec de la rivière, de la forêt à proximité? Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Et il nous manque deux maisons, j'amassais. Si je me cale là, j'ai encore ici et là qui n'est pas fermé. Tout en faisant un truc pas forcément bobo. Mais si je me mets plus par là, j'ai pas de garantie que mes maisons servent. J'ai une maison et encore une maison après. Bah du coup je vais utiliser mes maisons là où j'ai d'autres maisons. Tant pis, le placement est pas super. Mais on diminue tout simplement le nombre de maisons. De forêts, d'arbres. Je vais y arriver. Ici, je vais faire ça comme ça. Alors celle-ci est un peu difficile à caler, limite elle m'arrangerait presque. Elle ne m'arrange pas pour ici. Ce qui pourrait m'arranger pour un endroit en particulier. Pas spécialement, hein. C'est pas fichu tout ça. Je vais la caler là. Et on va surtout caler notre dernière maison de manière cohérente, si on y arrive. Ok, j'ai pas d'endroit pour la mettre spécialement cohérente. Mais au moins, il me reste plus que là à fermer. Donc on a un objectif avec de l'eau. Décidément, il veut qu'on fasse de l'eau. Et c'est vrai que ça va devenir un peu compliqué. Parce qu'il faudrait pouvoir finir ici. Ah ouais, si je me mets par là, ça me demande plus que 7. C'est pas mal, 7. Mais bon, j'aurais aimé un placement un peu meilleur. Ou essayer de me relier par là. Est-ce que je peux... Il me faudrait quelque chose comme ça ici. Une gare. Et après, je peux mettre un peu n'importe quoi, donc je mets rien ici. Ça peut valoir le coup. Faut pas que je me cale comme ça. Il me faudra une droite, puis une courbe. Ouais, quelque chose comme ça, en fait. Eh bien, on va... Je vais la mettre là pour sécuriser, hein, comme ça on a toujours par là pour s'agrandir. Ah, du champ! J'avais complètement oublié que j'avais un objectif de champ, parce qu'on m'en donnait pas. Et on va essayer de compléter. Donc on va essayer de faire comme je viens de dire. Donc il me faudrait. Ah, est-ce que celle-ci ou est-ce que la tuile, celle-là aussi, ah ben, cette tuile-ci, me permettrait de faire des choses sympas. Donc on va... qu'est-ce que je fais? Sachant qu'il faut pas que je relie trop tôt non plus, parce qu'il me manque mes trois ici.
Je vais gérer ici. On va faire bout par bout. Ici, il me faudrait quelque chose de cool. Donc on a dit, ici, on va essayer... Oui, en fait, c'était même pas cool cette tuile. Je me disais, c'est cool, mais non, en fait, elle peut pas se mettre dans le sens que je veux. Donc, en fait, elle m'embête plus qu'autre chose. Je vais plutôt la mettre par ici. Par ici. Est-ce qu'on peut faire des choses avec ces maisons, avec cette forêt? J'ai clairement pas assez d'arbres. On a dit qu'on essayait de joindre par là. Qu'est-ce que je peux faire? On va forcément se créer des incohérences. Le but étant que ces incohérences nous servent un peu. Et ici, il faut toujours fermer. Je pense que c'est là qu'il faut fermer. Je vois pas d'autre endroit. Quand on regarde les maisons qui sont surlignées. Je vais quand même essayer de le caler un peu. Pas trop mal. Voilà. Pas trop mal. Des maisons qu'on va pouvoir caler ici. Il va falloir qu'on commence doucement à faire attention. Puisque on a à la fois l'objectif en chiffres tout pile, hein, 6, c'est pas 6 plus, qu'il nous faut exactement 6 maisons. Du coup, je vais mettre exactement 5 maisons, voilà. Surtout, il y a la petite flèche qui nous indique qu'on va devoir fermer si on veut des points bonus. Hop. Ici, on va essayer de continuer à relier nos forêts. Si jamais on arrive à les fermer, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant, la priorité n'est pas là. Alors, je peux faire ça, mais je crois que je me coince un peu en faisant ce genre de bêtises. Donc, on va plutôt valider ici, avec un bout de train qui ne nous arrangera pas forcément. Je vais le caler comme ça. On verra ce qu'on en fait. Ça fait deux quêtes validées en même temps. On va pas se plaindre. Ici, c'est pas mal. Quelques arbres. Alors, on sait qu'on a besoin d'une ici, ce qui m'arrange pas forcément des masses, hein, parce que j'aimerais bien finir cet objectif à 3 avant, mais, eh bien, en l'état, on va prendre ça. Ici, toujours dans l'optique d'essayer de relier mes forêts. On va faire ça comme ça. Alors, est-ce que je peux faire des choses qui seraient pas trop débiles? On a dit ici, il nous faut une droite. C'est pas une droite. Je vais faire un truc comme ça, histoire d'aller jusqu'à 2. Ah, du train! Ça faisait longtemps, du train. Du train. Et, pour le coup, on a des choses pas mal en se calant par ici. Alors, le placement était... un petit peu incohérent, mais pas trop mal quand même. Ça m'embête, je vois pas très bien ce que c'est en dessous derrière. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Si je sais compter, la prochaine tuile, c'est 5 maisons. Donc 5 maisons plus un clocher. Il me semble que le clocher ne compte pas comme une maison. Donc, je vais pouvoir me caler. Pour essayer de faire des points, tout simplement. Hein. Où est-ce que je peux faire des points avec ma tuile? Je peux faire 20 points ici. C'est pas folichon. C'est 20 points. J'ai pas d'autres choses à fermer. Hein.
ici j'ai fermé, ici j'ai de la forêt à fermer, mais c'est compliqué à fermer la forêt. Je peux faire... Ouais, ici ça fait 20 points aussi. Là ça en ferait 30. Ouais. Là ça fait 20 points aussi. On va prendre les 30. Une plaine, deux plaines, une maison. Ça me fait une incohérence, mais ça me fait une maison. Ouais, donc j'ai bien compté. Le clocher ne compte pas comme une maison. On va pouvoir valider notre quête tout en rajoutant des maisons. Alors par contre, il y a des arbres qui vont nous embêter un peu. Voilà. Donc du coup, on rajoute. Comme ça plutôt. Je vais essayer de pas me coincer avec les bouts de champ qui traînent à droite à gauche. Alors, de l'eau. De l'eau, c'est bien de l'eau. C'est toujours pas ce que je veux pour ici. Je peux commencer à faire des trucs chelous par là. Hein. Après tout, je pense qu'ici on va être plus ou moins coincé. Donc je me cale comme ça. Et en plus, je vais pouvoir me caler comme ça. Ce qui est pas si mal en fait. Voilà, comme ça cet objectif là est validé. Alors, on a des trucs un peu chelous, mais on devrait s'en sortir. On va ici continuer d'agrandir tout en faisant attention, puisqu'on a un objectif pour fermer. Ça c'est pas mal. Alors, du train. Du train. 4+. 4+. Sachant que ici je pourrais ressortir d'un côté ou de l'autre, essayer de me relier. Ça pourrait être marrant. Mais je sais pas si ça a un autre intérêt que marrant en fait. Ici, je peux essayer de me rapprocher. C'est pareil, il faudra que je trouve les bonnes choses au bon endroit. J'aurais bien aimé... En fait, j'aurais bien aimé pouvoir la caler là, parce que je vais devoir faire que des tourniquets. Si je fais comme ça... Ou alors, bah, du coup, je me garde, vu que je m'étais gardé mon placement, je vais toujours revenir par ici. Et essayer de me relier par exemple à là qui est loin. Hein. C'est un objectif lointain, mais l'idée étant de se projeter un peu. J'aime assez le coup de venir par ici, essayer de relier les deux. Mais j'aimerais bien un truc en Y pour pouvoir relier ça et ça. Plutôt que faire j'arrive ici, je vais à celui-là, puis à celui-là. J'aimerais bien quelque chose en Y. J'aimerais bien relier là aussi. Mais ça va m'obliger à avoir des tuiles qui tournent. Ben, je vais prendre le pari. On va prendre le pari, tout simplement. Ici, est-ce qu'on pourrait pas mettre notre petit champ de manière intéressante? C'est pourri niveau points, mais ça fait le job en quête. Donc on va pas se plaindre. Au niveau de notre... Oh! De la même manière, j'aimerais bien relier les deux, mais si je le fais avec le train, je peux pas le faire avec l'eau, sauf à faire un détour qui reviendrait par là. On va s'agrandir par ici. Alors, est-ce que j'ai toujours un objectif de forêt? Non, j'ai pas d'objectif de forêt. Étrangement. J'ai quand même me calé là, hein, parce qu'on sait qu'on va avoir des objectifs de forêt qui vont arriver.
et que vous voyez doucement les objectifs deviennent de plus en plus grands. Là on a un joli 35 pour le train, ce qui commence à être pas mal du coup si je me mets comme ça, il faudrait un embranchement, ça se trouve là j'ai un qui tourne sur le prochain. C'est pas fifou. Si je me cale là, je vais devoir faire un truc alambiqué ici, ça m'embête. Je savais que ça m'embêterait de poser cette tuile là. On peut se dire qu'on va essayer de les relier, de toute façon. Et ici, c'est pas un mauvais placement. C'est plutôt un placement correct. Et on va voir ce qu'on peut faire. Je peux le mettre là aussi, mais... On verra. J'ai pas envie de me coincer. On va y aller doucement. Un objectif qui tourne comme ça, c'est pas le meilleur du monde, mais... Mais ça fait le job. Sachant qu'il faut qu'on fasse gaffe, hein. C'est un 29 exactement. Donc on a aussi le risque que si on fait des trucs trop tarabiscotés... On se retrouve coincé par la suite. Je peux faire ça. C'est pas si mal en termes de points. Et ça m'a franchi de ce truc chelou que j'ai fait par ici. J'aime assez de l'eau. Il nous faut de l'eau. On a dit qu'on faisait une étendue d'eau par ici. On va même essayer de s'agrandir un peu. Donc on n'a toujours pas d'objectif de forêt, donc je vais quand même un petit peu fermer mes forêts, si je peux. Et ici, on a... Eh bien... Ouais, c'est pas le meilleur du monde, c'est pareil, mais... Il fait le taf pour la quête, tout ce qu'on lui demande. On va placer nos maisons avec les maisons, donc on a dit qu'on évitait de trop s'ouvrir sur l'extérieur. Ça c'est pas mal. Alors ici, nous permets-tu de relier nos deux forêts? Non, tu ne nous permets pas de relier nos deux forêts. Je te pose là. Et c'est toi qui veux faire le taf. Voilà. Alors, de la plaine, de la pure plaine. Je peux te mettre là pour 50 points. C'est pas mal. J'aime assez. De l'eau. On n'oublie pas qu'on a notre quête qui nous demande de l'eau. Et ici, c'est plutôt pas mal. Alors, plein de maisons. On va avoir une petite incohérence, mais... Plein de maisons, c'est ce qu'on veut. Alors, on a du champ, pas d'objectif de champ. Je vais me caler là quand même, du coup. Je verrai si on peut fermer notre champ, puisqu'on a un objectif pour fermer notre champ. On verra si ça passe. Alors, ouais, 30, c'est bien ce que je crains. 34 exactement. Notre ville, elle fait plus que 34. Donc, on est un peu U, et il me semble que celle-là, je l'ai fermée, et qu'elle faisait plus de 34 aussi. Où est-ce que je peux me caler? Où est-ce que j'ai la place de mettre une ville qui pourrait s'agrandir? Par ici, je suis pas trop allé par ici. Je pourrais me caler comme ça. En me disant, quelle notre ville par ici? Donc j'ai pas d'objectif pour fermer ce champ-là. Et ça va me l'agrandir plutôt que me le fermer. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais fermer ce champ et puis c'est tout.
Du coup, ici, on va pouvoir faire ça. Je vais pouvoir relier les deux étendues d'eau. Bien évidemment, du coup, on dit adieu à notre train. Mais c'est pas très grave. Là, la priorité, c'est notre étendue d'eau. C'est notre quête, la priorité. Donc j'ai pas le choix, je vais devoir faire une incohérence ou m'agrandir. Sachant qu'on a un objectif pour se fermer. Je préfère faire une petite incohérence. Ici, on va essayer de relier. Là comme ça fait 20 points. Là comme ça fait. Non, ça fait pas 20 points. Ça fait. Si, ça fait 20 points, là comme ça fait 20 points aussi. 30 points. 20 points. 20 points. Oui, bah 20 points contre 20 points, ça fait 20 points. Ouais, donc on va. On a un deuxième objectif de ville. Tant pis, on va courir les maisons sur les deux fronts. Ah, si je me cale là, je m'agrandis. Ça m'embête de m'agrandir, j'aimerais bien le fermer ce champ. Je vais fermer celui-là pour la peine. Un tout petit. On est pas mal sur notre objectif avec de l'eau. C'est cool ça me permet de fermer un peu tout en rajoutant une maison, tout en augmentant mon eau. C'est plutôt pas mal. Et on va surtout s'arrêter là, puisque l'épisode est déjà très long. On a 9400 points. On a fait un peu plus de 300 points. Un peu plus. Je sais plus combien d'était exactement. On a fait 300 points sur cet épisode. C'est bien. 300. 3000 points, je vais y arriver. Alors, on a une ville et un monde qui se développe. Plutôt bien, donc on est plutôt pas mal. Si on arrive à s'en sortir, et on devrait pouvoir s'en sortir sur notre objectif de chemin de fer, qui nous demande deux chemins de fer, parce qu'on a là ici du chemin de fer qui va nous permettre de valider assez vite. Je pourrais même le valider là tout de suite devant vos yeux ébahis, mais on fera ça au prochain épisode. J'espère que le jeu vous plaît, que le let's play vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!